L'AS Monaco fait la mauvaise opération de cette 36e journée en s'inclinant en but à 0 à domicile face au Paris Saint-Germain. Unique but de la partie, il est inscrit par Paz Touré dès la deuxième minute de jeu. À cause de ce but, Monaco s'éloigne trop du podium et désormais à 4 longueurs. Le PSG est seul leader avec 100 points. L'AC Ajaccio n'a pas fait de cadeau à l'homme, victoire 3 buts 1. Le premier but, il est inscrit par Johan Cavalli, le suivant par Stéphane Popescu. André Ayew réduira la marque, insuffisant pour l'OM, qui est relégable, qui est encore plus relégable avec un but d'Adrien Moutou en toute fin de match. L'OGC Nice, lui, fait la bonne opération en sortant de la zone de relégation grâce à sa victoire en but à 0 contre Nantes. Osvaldo Viscarano contre son camp. Nice est 16e, Nantes est 17e. L'OL fait la bonne opération en s'éloignant de la zone de relégation grâce à sa victoire de 2 buts 1 à Saint-Étienne. Le premier but, il est inscrit par Lacazette sur sa frappe puissante de Gomis. Rofier ne parvient pas à repousser tout comme Perrin. Ensuite, c'est Romain Mouma qui égalise pour Saint-Étienne. On croit alors que les Verts arrachent un point rageur pour la Ligue des Champions. Mais ce point rageur pour la Ligue des Champions, Saint-Étienne ne l'aura pas en cause d'un but en question. Les arrêts de jeu à la 93e par Jimmy Briand. L'Olympique Lyonnais est 14e juste devant Reims. La SSE est 4e au pied du podium avec 3.